Une pince-note. Ça flotte pas. Une règle. Ah, une règle, ça flotte. J'ai fait une expérience scientifique avec l'eau. C'est Geneviève qui m'a préparé mon expérience. Elle connaissait beaucoup l'eau, Geneviève. Là, j'apprends qu'il y a des objets qui flottent sur l'eau, puis d'autres qui coulent jusqu'à dans le fond. Bon. Alors, tu veux prendre une pièce de monnaie, comme ça? Ah! Elle coule! Je me demande si l'aiguisoir de Geneviève flotterait. Peut-être que je devrais pas essayer. Oui? Non? Non. Non, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est pas une bonne idée. Allô, Bibi? Ah! Allô, Geneviève? Hein? Comment va ton expérience, Bibi? Très bien, Geneviève. Très intéressant. Mais qu'est-ce que tu as rapporté, là, Geneviève? Ah, ça, Bibi, c'est quelque chose qui va avoir besoin de notre aide. Hein? C'est quoi? Une plante. Ah oui? Comme les plantes qui étaient dans le parc quand c'était l'été, là? Ben, semblable à celle qui était dans le parc. Sauf que celle-là est plutôt mal en point. Geneviève, où est-ce que tu l'as pris, la plante mal en point? Elle appartenait au monsieur du dépanneur. Hein? Il l'avait mise dans un coin sombre de son magasin. Il semblait pas savoir qu'une plante, ça a besoin de lumière pour vivre. Et puis en plus, il lui donnait même pas d'eau. Hein, on peut donner de l'eau aux plantes? Ben oui, Bibi. Même qu'il faut donner de l'eau aux plantes. Elles en ont absolument besoin pour vivre. Hein? Ça sert à ça aussi, l'eau? À nourrir les plantes? Ah oui. Ah ben Geneviève, je vais lui donner de la bonne limonade. Il y a de l'eau dans la limonade. Bois mes plantes. Bois. Mais non, Bibi, pas de la limonade. Juste de l'eau. Mais Geneviève... Par où ça boit, là? La plante, je vois pas la bouche. Bibi, une plante, ça boit par les racines. On arrose la terre et les racines qui sont dans la terre boivent l'eau. Hein? Mm-hmm. Je veux l'arroser. Comment on fait pour arroser, Geneviève? Avec un arrosoir. Hein? Attends, je vais aller chercher. Pauvre petite plante, t'as l'air toute triste. Geneviève et moi, on va te soigner. Oui, oui. Tu vas avoir des belles feuilles vertes. Vertes comme mes beaux cheveux verts. D'accord? Tu vas voir, on va s'occuper de toi. Voilà, Bibi. Ouais. Tu parlais à la plante? Oui. Penses-tu qu'elle m'entend, Geneviève? Oh oui. Même que tu sais qu'il y a des gens qui disent qu'il faut parler aux plantes. Quand on leur parle, ouais, elles se sentent bien. Puis ensuite, elles poussent mieux. Et puis, ça devient nos amis. Des amis? Bonjour, mon ami. Il y en a même qui disent que les plantes, elles aiment la musique. Hein? Bon, regarde, Bibi. C'est comme ça qu'on arrose une plante. Ah, je comprends, je vais arroser. Tiens. Tu sais, Bibi, tu pourrais même t'en occuper tout le temps de la plante, si tu veux. Hein? À chaque fois qu'elle en aurait besoin, tu pourrais lui donner de l'eau. Doucement, Bibi. Oui. Tu vas t'en occuper? Oui, regarde. On dirait qu'il pleut sur la plante. Oui. Bois, petite plante. Bois, mon ami. Chef-les!
plante. Il faut que je m'occupe de ma plante. Quoi? T'as bu toute l'eau que je t'avais donnée? T'as soif, petite plante? Ah! Attends, je vais m'occuper de toi. Bon, bois, bois, c'est ça. Bois, petite plante. Ah, j'en reviens pas comme il est intéressant, mon livre sur l'eau. C'est pas un Tintin que je lis. J'ai caché mon livre sur l'eau à l'intérieur de mon Tintin. C'est parce que je veux pas le montrer tout de suite à Bibi. Je veux qu'il me trouve savante. Bouteille flotte. Bon, pour qu'une expérience scientifique soit complète, il faut que j'écrive les résultats sur une feuille. Ben, Geneviève, elle est très savante sur l'eau, elle. C'est elle qui m'a dit de faire ça. Bon, oh, il faut que je vérifie si ma plante a toute bu son eau. Ah! Il n'y en a plus! Tu as soif, petite, petite plante? Ah! Attends, je vais te donner de l'eau. Bon. Bon. Bois, petite plante. Bois encore. Ah! Hey, c'est ça! Il y a beaucoup d'eau sur la planète Terre. Prends-en! Ah oui! Celle-là! Et ça, c'est une bonne expérience. Je m'en souviens, je l'avais déjà faite dans mon cours de sciences physiques quand j'allais à l'école. Ah oui! Ça, ça va être très amusant à réaliser avec Bibi. L'arrosoir est vide. Geneviève, est-ce que je peux prendre l'eau de mon bol d'expérience pour mettre dans l'arrosoir parce que mon arrosoir, il est vide là? Qu'est-ce que tu dis, Bibi? Ben, regarde. J'ai versé toute l'eau qui était dans l'arrosoir. Mais j'avais mis assez d'eau pour au moins une semaine, Bibi. Une semaine? Oh, oh. Bibi, t'as pas versé toute l'eau sur la plante? Ben oui, Geneviève. La plante, là, elle avait trop soif. L'eau disparaissait tout de suite de la terre, regarde. Oui, mais Bibi, une plante, là, il faut que tu laisses la terre sécher entre les arrosages. C'est pas comme nous, une plante, Bibi. Ça boit lentement. Tant que la terre est humide, les racines absorbent l'eau de la terre. Lentement, lentement. La plante doit pas être contente, pas contente du tout, hein, Geneviève? Ben non, Bibi. En plus, ça peut être dangereux pour la plante. C'est dangereux que les racines pourrissent avec autant d'eau. Oh! Et fuck, hein, Bibi! Et sur des facs! Oh! J'ai une idée, Bibi. Ah oui? Une bonne idée pour la plante? Oui. On va la transplanter dans un nouveau pot avec la nouvelle terre. Hmm? Je vais aller chercher ce qu'il me faut chez mon ami Mario. Il y en a des tonnes de plantes, lui. Il va me prêter ce qu'il faut. D'accord. Je reviens tout de suite. D'accord, Geneviève. Oh, excuse-moi, petite plante. Je voulais pas te faire de mal. Je connais pas ça, moi, les plantes. Ben, y a pas de plantes sur ma planète XY, mais Z. Y a même pas d'eau. Qu'est-ce que je pourrais bien trouver pour te faire plaisir? Oh. Je l'ai. Geneviève a dit que les plantes avaient besoin de la lumière. La lumière du soleil. Je vais emmener la plante dehors. Ça va lui faire du bien de voir du bon soleil. Viens avec moi. Bibi, t'es pas possible. Quoi? À quoi t'as pensé, donc? Hein?
Mais ça se fait pas, Bibi, sortir une plante par un froid pareil. Geneviève t'a dit que les plantes avaient besoin de la lumière du soleil. Mais oui, mais Bibi, quoi? La lumière qui entre par les fenêtres de mon atelier, c'est suffisant. Sortir une plante dehors en plein hiver. Oh. Geneviève, est-ce que tu penses que la plante a eu trop froid? Ben, je sais pas. Une chance que je suis pas restée trop longtemps chez Mario. Oh, heureusement. Oui. Oh. Bon, ben on va la laisser se réchauffer un petit peu, puis on va la transplanter tout à l'heure. D'accord. Hmm? Tu vas m'aider, Bibi? Non. Pourquoi non? Ben, parce que je suis pas bon pour les plantes. Je fais des erreurs. Mais voyons, Bibi. Tu commences à en connaître déjà pas mal sur les plantes. Tu sais qu'elles ont besoin d'eau, tu sais qu'elles ont besoin de lumière. Et puis maintenant, tu sais qu'il faut pas les sortir dehors en plein hiver. Puis je sais comment leur parler aussi. Ah, ça, j'en doute pas, Bibi. Et puis je sais aussi que les plantes aiment la musique. Oui. Geneviève. Quoi? Geneviève, si on posait les écouteurs de ton baladeur sur les feuilles de la plante, est-ce que tu penses qu'elle aimerait ça? Hein? On pourrait essayer, Bibi. Hein? Tu penses? Oui, attends, je vais te sortir le baladeur. On essaie, on fait une expérience. Tiens. D'accord. Tu vas m'aider, là? Oui, je vais t'aider. Alors, on va poser les écouteurs sur la plante? Ouais. Okay. Je suis prise dans le fil, là. Tiens, je t'aide. Bon. Voilà. D'accord. Comme ça, Bibi? Oui. Ça va de même? Oui. Bon. Alors... on va le faire jouer la cassette. Penses-tu qu'elle aime ça? Je sais pas. Je pense que oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, je suis certaine qu'elle aime ça, Geneviève. Comment tu sais ça, Bibi? Parce que je l'entends chanter. C'est vrai? Oh, citron!